Ok, donc on repasse enfin en mode histoire. Enfin. Ça va être côté ouf. Et ça va être... Alors attends, parce que là on va descendre quand même assez bas. La bataille de Yiling. Donc là on est dans le contexte de la revanche, de la vengeance de Liu Bei. Liu Bei qui est en colère parce que non seulement Guan Yu a été tué à cause de la trahison du Wu, mais en plus Zhang Fei aussi après, un petit peu plus tard. Donc là, Liu Bei il mobilise une armée massive pour détruire le Wu. Complètement aveuglé par sa rage. Donc on est dans ce contexte là. Et je joue Luxun. On va rester sur du hard. Hein. On va pas. J'ai Luxun, il m'a un petit peu traumatisé. Donc allons-y. Je sais plus s'il va y avoir une scène d'intro. Un passage dans le camp et tout. Si, il me semble qu'il y a une scène d'intro. Choku no yatsura wa taigun desu ga, nagai kyori wo shingun shite kitemasu. Ensei no hidou ga tamatteru ima, kishu wo kakeru beki de shou. Souda, souda. Mina, ryou tou no iken ni sansei ka? Omachi kudasai. Tashikani, ryou tou tono no iken ni wa ri ga. Shikashi, 職軍の感情を見逃しています。何を言うか。信者者のくせに黙っていろ。そうだ。その通りだ。勘を打たれた職軍は息健康の状態。ここは守りに徹し、敵が疲労を自覚するまで待つべきです。悪くねえ理屈だぜ。だけどあれだけの大軍相手に守りきれんの。そうでしょうか。 L'ascension de Luxun. Les gens, ils étaient un petit peu sceptiques quand Luxun a pris la parole, hein, en mode « Mais c'est qui ce petit con, là ?» Mais ça va, il a réussi à faire bonne impression, au final. Alors, on va faire le tour du camp, on va discuter avec tout le monde. J'irai dans la tente au dernier moment. Je vais voir ce qu'il fait, lui. Il regarde dans le mauvais sens. Donc lui il veut voir l'entrejambe de Lian Shi. Bah là on est avec Luxun comme tu peux le voir. Alors je vais passer de ce côté. Kanne-sama to Ryoto-sama tte naka ii n desu ka ne? Izen, ktari de igo o shite iru no o mimashita. Nonoshiri ai nagara deshita kedo. Il y a du progrès hein, quand même. Hein. Ling Tong qui a réussi à accepter Gan Ning alors qu'il a tué son père, hein, faut le faire. Mazong et Andang. Wakasa to kibou ni michi afureta jidai. Ore ni mo atta ki ga suru. Songken-sama wa michigaeru you ni rippa ni narareta. Soshite sara ni wakai chikara ga. この馬、毛の艶がいいでしょ。電子殿が面倒を見てくれているんです。姫様がいた頃は、お二人で馬の世話を。帰ってきてくれないんですかね。 Et toi aussi, t'aimerais bien te faire brosser le poil par Lian Shi, hein? Hein, mon salaud? Bonjour. Yubi no doko ga jinkun nan deshou? Ah bah là il a perdu son côté bénévolence. Hein.
リュウビトなんて別れてしまえばいいのに。さあ。おめえ、同郷あるじゃねえか。気に入ったぜ。 Merci. Merci Ganning. Très gentil. Zuran. Tono no kangai ga wakaranu. Naze shinzanmono nado ikusa o makaserareta no da. Zuran, il est jaloux. Shuzen-sama wa Sonken-sama no gogakuyu de shita. Amata no senjou o keiken shita meishou desu yo. Shuzen-sama wa kibishii koto o oshishaimasu ga. C'est un vieux con qui a étudié avec Sun Quan, donc. Ah oui, Luk Sun, il avait changé son nom, je me souvenais pas d'une histoire comme ça. Il s'appelait Louis avant. J'aime beaucoup le Wu aussi. Mais je fais les trois royaumes en même temps en fait dans mon let's play. Ma, anta o shinjite miru yo. Tono mo aa itteta koto dashi ne. Bonjour, lieutenant. Ils sont motivés. C'est bien. Allons voir dans la tente. On a Lianchi et Monseigneur. Dame Lianchi. Seigneur Sun Quan. Merci de votre confiance, Seigneur Sun Quan. Bon, allons-y. Normalement, on a parlé à tout le monde. On est prêt à aller sur le champ de bataille et... C'est pas ici. C'est ici. Sur le champ de bataille, à faire appliquer notre stratégie. ソンゴの未来は私が守り通してみせます。怒りに任せた皇軍、やはり乱れが見えます。そこを突かぬ手はありません。家計を用います。主前殿と集隊殿、準備をお願いします。 Se déplace au point stratégique. Ah, Fushiren. Ah, Zuran ne m'obéit pas. Je vais aller le voir. Quel prétentieux. Ok, donc je dois vaincre les officiers Chou sur la ligne de front pour imposer le respect un petit peu. Ah,
Ah mais même là, dans cette bataille, Luxon il est un petit peu en difficulté hein. J'espère que ça va le faire quand même. Protégé à moitié. C'est ma tranquille, Feiyi. Je mets trop de temps à vaincre la ligne de front avec la faiblesse de Luxon. J'espère que ça va pas pourrir le plan. Putain mais si c'est pour faire ça, Panzang, c'est pas la peine hein. Ok, Wang Quan vaincu. Putain, la ligne de front a avancé vachement là. Ça me plaît pas ça. Les conditions c'est... Ouais, Sun Quan est vaincu. Bon, ils arriveront pas sur lui non plus normalement. Faire une petite intérim save quand même par précaution. Voilà. Oh la vache, j'ai pris du dégât là. Ouf. Eh mais c'est chaud. C'est abusé. Putain mais ouais mais... Je peux pas continuer avec aussi peu de vie. Faut que je trouve un vase. Y'en a un dans le camp principal non? Ouais, y'en a un là. Ouais, toi tu... Putain, du coup, il rentre dans le camp principal. Ça fait chier, ça. Ah, je me fixerai au normal dans la prochaine. Hein. Dans la partie 2, parce que la partie 2 sera sûrement un peu plus compliquée. Luxon il est vraiment limite quoi. Ouais, bah attends, faut que je finisse Liao Hua d'abord.
Ah putain. Ah fais chier, je peux pas être partout. Bah ouais, mais c'est... Oh là 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 là. Avec un Luxun qui galère comme ça. J'arrive à finir Liaowa le plus vite possible. Allez, je fonce sur Guansuo. Putain, l'enfoiré. C'est bon, j'ai réussi à le provoquer. Allez, vas-y, suis-moi. J'ai tué ton père. J'ai tué ton enculé de père, Guansuo. Vas-y. Viens m'attraper, Guansuo. Si tu veux pouvoir venger la mort de ton père. Ouais, il est en train de bugger à moitié contre la barrière là-bas. Ah, ça y est. Feu ! Allez, embuscade. Embuscade d'archer. Bah oui, mon con. Je t'ai bien fait niquer quand même là. La suite de la procédure. Eh ben voilà. Il arrête sa crise de jalousie. Faut que j'aille escorter Zuran. Ouais, c'est parti. S'escorte tout seul, hein. Mais bon, il va peut-être y avoir une connerie sur le pont. Hein. J'arrive! Ah, il y a Yue Ying. Attends, je vais faire une save. Ça me défonce quoi. C'est pas possible quoi. Difficulté qui est pas du tout adaptée au niveau de mon Luxun. Mon Luxun qui a un level beaucoup trop merdique.
Oh là là, mais c'est pas possible. Ah putain non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Surtout pas faire carré quand je suis en vol. Surtout pas. Putain, il faudrait un vase, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait dans les parages. J'essaie de me débarrasser des archers. En contournant les deux officiers comme je peux. Et en contournant, j'arrive pas à parler, les flèches. C'est le stress, ça me fait bafouiller. Ok. Il reste un archer là-bas, par contre. J'aime pas ça. Ça, c'était dangereux. C'est bien, bien chier, elle bloque un peu Zhangbao. Zhangbao, je m'en branle à la limite. Normalement, Yueling, ça devrait clôturer la partie 1 si je la bats, je crois. Putain, non, même pas. What? What? What the fuck? C'est quoi ces conneries? Putain, c'est un cheval pas cher, ça va pas assez vite ça. Ouais, attaque par le feu réussi. Mais bon, là, si Sun Quan se fait abattre comme la dernière des merdes, on va pas forcément. Ça va pas forcément nous aider énormément. Hein, que l'attaque par le feu est réussie. Là, la vie qui me reste quoi, pour aller défendre Sun Quan, c'est génial. Ça va, il en reste encore. Je fais une save ici. Et je sais pas s'il y a un autre vase dans le camp principal, ce serait cool, mais j'y crois pas trop. Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Bon. Voilà le monde qu'il y a, quoi. Il faudrait qu'il y ait de la vie qui apparaisse quelque part. J'entends des bruits qui me plaisent. Ah, c'est des bottes de merde. J'essaie de repérer. Oui, il y en a. Hop là. Ça, c'était bien dans le vide. Ça s'appelle brasser de l'air, littéralement. Putain, mais l'enculé qui me touche là. Je leur fais rien, moi, c'est horrible. On s'en sort pas là. C'est vraiment affreux de jouer avec une difficulté comme ça. Une perte de temps absolue.
Ouais, ta gueule, hein. Tu parles pas quand t'as pas de texte à dire. Oh putain. Putain, il y a un vase à l'extérieur. Sans déconner. Sans déconner. C'est maintenant que je m'en rends compte. Genre, il est pas mort. La grosse blague. Juste histoire de me faire chier pour que je me fasse chier à le retoucher une dernière fois. Et voilà, putain. Quel bordel. Bon, je dois atteindre les deux bastions là qui sont affichés. Probablement prendre le contrôle. Là sur la map, il reste plus qu'un seul officier de toute façon. Maliang, blanc sourcil. Si je peux trouver un vase sur le chemin, ce serait cool. Maliang, je vais l'ignorer à la limite parce que. Pas besoin d'aller le vaincre, ça sert à rien. Ah, ils sont tous affaiblis par l'attaque par le feu, ça c'est cool. Oh, ils m'ont enfermé. L'embuscade, quoi. Je fais une save. Motivé, Chenshi. On a perdu de vue le commandant ennemi. Zhao Yun garde la porte, ok. J'imagine que tu es le boss final de cette partie 1. Il s'est téléporté le mec, what the fuck. Ça y est, ouf. Allez, on l'a fait en normal la partie 2 parce que là c'est pas possible. Hein. C'était clairement le Luxun là, il est pas adapté. Je jouerai dans ce let's play pour le challenge. J'aurais toujours joué plus ou moins dans des difficultés un peu comme ça. Parce que pour le côté challenge, voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est clairement pas le but de mon let's play et là on perd beaucoup trop de temps. Cette partie 1 a duré beaucoup trop longtemps. En fait, c'était des sirènes, mais pas de. Quand je dis des sirènes, c'est pas des sirènes de flics, mais ça faisait genre des sirènes, tu sais, quand. Enfin, des alarmes en fait de voiture, c'est ça que je veux dire. Pas des sirènes de. Bah, quoique, il y en avait peut-être. C'était tellement le brouhaha que dans le lot, je sais pas. Cela, ouais, ok. Pour ceux qui arrivent là sur la rediff,
Parce que là, du coup, je vais être obligé de couper de relier les deux parties. Hier, en fait, j'avais entamé tout juste la partie 2 de Yiling. Et il y a eu une coupure de courant. Donc, ça a niqué un peu mon truc. Et donc là, on reprend le lendemain. Donc, pour vous, c'est la même vidéo, mais il y a 2 jours différents entre la partie 1 et la partie 2. Voilà. Coucou la rediff, dit Monsieur Adrien. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, voilà, on y retourne. Je vous active la. Je l'activais plus hier parce que les gens jouaient pas. Hein. Merde. Attends. C'est quoi ça? Non, je me suis trompé, je crois. Oui, c'est là qu'il faut que je clique. J'activais plus les bettings hier parce que les gens jouaient plus. Bon, ça sert à rien de se casser le cul si les gens jouent plus. Je le réactive des fois que vous, si jamais vous voulez. Oh non, attends, j'ai fait une connerie. Oh non, j'ai fait une connerie. Ah, oh, j'ai fait une grosse connerie. Au lieu de load, je viens d'écraser la save de ma programmation de betting. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je refasse tout. Bon, allez, laisse tomber. Vous aurez pas de betting ce soir parce que là, je vais en avoir pour un quart d'heure de plus à tout refaire. Enfin, peut-être pas un quart d'heure, mais une bonne dizaine de minutes. Fait chier. Bon, allez, c'est pas grave. En avant. Et donc, ouais, partie 1, je viens de battre Zhao Yun. Ouais, parce que là, il y a des gens qui débarquent, qui n'ont pas vu la partie 1. Je venais de battre Zhao Yun et il va y avoir une cinématique, ça va reprendre par ça. Donc, soyez pas choqués. Ok. Donc là, du coup, on doit aller dans le labyrinthe des sentinelles de pierre, essayer de choper Liu Bei qui s'est replié dans le château de Baidi. Traverser le labyrinthe des sentinelles de pierre pour atteindre Baidi. Juste vérifier un petit truc que j'ai pas pensé à vérifier. Enfin. Si, c'est pas que j'ai pas pensé à vérifier, mais. C'est plus un élan de paranoïa de ma part, des fois que ça n'aurait pas été enregistré. Non, ça c'est bon. Tout va bien. Et là, juste pour information, c'est là qu'il y a eu la coupure de courant. C'est quand il y a ces espèces de flèches qui se sont activées. Là. Donc on n'avait pas été loin. Hein. Ah, des soldats fantômes. Et des lances qui sortent des murs. Bon, là, faut courir. Hein. Faut juste courir. C'est bien. En fait, j'aime bien le labyrinthe. Vous regardez la map, en fait. Le labyrinthe, il est bidon. Le labyrinthe, c'est pas un labyrinthe, c'est un chemin, en fait. T'as des petites encoches, mais. Si t'es pas trop débile, de toute façon, tu sais que c'est un cul-de-sac puisque c'est complètement visible et tu prends le chemin suivant, quoi. C'est. Alors, par contre, c'est un labyrinthe qui est bien piégé par rapport peut-être aux anciens opus. Mais il est bidon parce que c'est pas un labyrinthe, quoi. Allez, d'autres soldats fantômes. Bon, après, les pièges, ils sont un peu bidons aussi. Hein. Ils sont très faciles à esquiver. On est sur du basique quand même. Attendez, c'est déjà n'importe quoi alors que le combat vient à peine de commencer.
Ah oui, ouais, d'accord. Non, parce que oui, c'est... en fait, ce qui m'a perturbé, c'est quand tu dis le combat vient là, juste de commencer, mais en fait, oui, je vois pourquoi tu dis ça, c'est pas par rapport. Parce qu'en vrai, le combat, il a pas commencé, hein. Il y a eu toute la partie 1. Mais ça, tu l'as compris. En fait, Luxun en hard, c'est super chiant. C'est pour ça que je me suis mis en normal cette fois, parce que c'était casse-couille. Ah, c'est qu'en fait, Luxun il est très très mal entraîné. Là il a un petit peu monté, mais il était encore un peu plus bas que ça au début. Non, oui, oui, je comprends, Adrien, que tu voulais dire par rapport à ce début-là, oui. Mais c'est que ça m'a perturbé sur le coup. Putain, mais là, je vais détruire la balise, laisse tomber. Si je bats Yuenin, ça calme pas les armes de siège. Bah ouais, va dans le mur, je te dirai rien. Allez, retourne dans le mur. Attends. Mais Sun Quan, espèce de gros débilus. Pourquoi tu vas dans le labyrinthe des sentinelles de pierre? Pourquoi tu restes pas à l'abri dans ton camp principal? On gère, il y a Ganning, il y a Ling Tong, c'est bon? On avait pas besoin de toi? Ah non, t'es un boulet! Là, t'es juste un boulet, là! Parce qu'il va falloir te protéger, donc il va falloir faire demi-tour. Oh là 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 là, je te jure. Ah, les armes de siège pètent. Voilà de l'affection pour ces armes de siège. Je vais vous montrer le pouvoir du char. Ça, c'est la grande phrase. Ah, attends. C'est à cause de Masu. Je vais essayer de le vaincre vite. Qui se fout sur le décor chiant, c'est vraiment pour casser les couilles. Mais arrête, espèce de gros con. Ah, merci, on a arrêté les pièges du labyrinthe. Donc je retourne choper son plan. Ah, les soldats du chou, les soldats du... Parce que les barriques de vin, elles étaient dans le labyrinthe du chou, hein. Thank you.
知略でお前を倒す。敵将、私が討ち取りました。Arrête de te protéger! Yuning, déjà, on n'a pas idée de s'appeler Yuning. Voilà, des simples soldats, vous pouvez gérer, il n'y a pas de souci. Les deux armées d'Alcolo, en fait. L'armée du Wu et du Shu sont toutes les deux bourrées, quoi. Dans les deux. Voilà, ça en fait un peu moins. Problème, toi? Voilà, t'avais qu'à pas essayer de me sauter dessus. Mis à la résumé, Luxun a pu faire son plan par le feu contre Liu Bei malgré que les officiers. Ah oui, oui, d'accord. Mais t'étais couché, le Benjamin. C'est que tu connais par cœur en fait. Tu te souviens. Bon, les armes de siège, elles ont l'air d'être arrêtées complètement. Ouais, comme on a vaincu Liu Ying, ça a fonctionné, c'est bien. Allez, il ne nous reste plus qu'à atteindre Liu Bei qui est au château de Baidi. Ce n'est plus très loin. Autre affrontement avec Zhao Yun qui vient avec d'autres renforts. Ok. Il y a Zhuan qui nous avait fait sa crise de jalousie même. Parce que t'as Sun Quan qui a sorti. Enfin qui a accepté le plan de Luxun. Et refuser celui des anciens. Et Zhuan il était là, mais pourquoi ce petit con on accepte son plan et le mien on l'accepte pas. Et du coup il voulait pas obéir. Essayer de me niquer avec son mezu sauté là pendant que j'avais projeté dans les airs. Ok. Il y a beaucoup d'archers là-bas par contre. Beaucoup trop d'archers. Vache. Ouvrez-moi la porte. Allez, essaie donc de venger ton frère si tu le peux.
ことで私は倒れるぞ。Il est en rage. Il est en rage totale, Liu Bei. これだけの大敗を喫した職人、再戦の力は残っていない。いや、違うな。私はただこれ以上妹を悲しませたくない。兄様、ありがとう。Oh là là, ce drama! Oh là là! Je veux pas faire plus de mal à ma sœur. Bon, bah en tout cas... C'est un petit peu... C'est un petit peu les trucs scénaristiques à la con où... Où Sun Quan, il a un mode... j'aurais pu tuer Liu Bei, et puis j'aurais pu... anéantir peut-être un royaume, mais non, au dernier moment, Mais bon, en même temps, ils font ça en mode drama.